Salut tout le monde, on se retrouve pour le premier épisode du Runaway Teen Challenge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé certaines choses parce que j'avais filmé et j'étais pas du tout contente. Du coup, j'ai supprimé en fait. Et donc, on recommence à partir de là. Ouais, il s'est pas passé grand-chose. Elle a récolté un peu ce qui se trouvait dans pratiquement tous les quartiers pour se faire un peu d'argent. Donc là, il y a encore pas mal de choses qu'on va vendre. Et voilà. Alors, vous pouvez voir que j'ai changé l'adolescente. Parce que l'autre, elle me plaisait pas du tout. D'ailleurs, elle est là. Voici notre Claude. Donc, on verra si après on peut aller faire connaissance avec elle. Donc là, les besoins, ils sont très, très, très bas. Donc, j'essaie de la faire se reposer un petit peu. Et après, on va s'occuper de remonter les besoins. Donc, en ce moment, elle est triste. Elle vient de perdre sa mère. Elle a plus de maison. Donc, voilà. Maintenant, il faut se débrouiller jusqu'à ce qu'elle soit jeune adulte. Qu'elle puisse trouver un travail et puis construire une petite maison. Enfin, petite, pour commencer, du moins. Pendant qu'elle dort, je vais lui faire vendre ce qu'elle a récolté. Donc, tout ce qui est fruits, légumes, je vais garder. Les grenouilles. Hop, je vends. Ça. Là, je vends. Alors, là, faut que je surveille juste. Ah, bah, elle est partie aux toilettes. Donc, ça va. Les pommes de terre, je garde. Grenouille, voilà, il y a ça à ouvrir. J'adore les petits My Sims, j'aimerais bien les collectionner, mais bon, pour l'instant, elle a besoin d'argent. Donc, jette un œil à ce qu'elle fait, parce que pas qu'elle se fasse à manger. Non, ça va, elle a trouvé quelque chose à manger, c'est parfait. Allez, encore un à ouvrir. Souhaitez-vous vendre cet élément? Oui. Voilà. Hop. Et voilà. Donc maintenant, il ne reste plus que des choses à manger. Alors. Go now. Ah. On ne discute pas avec avec Sandra Gothic, oui, tu peux. Avec le petit aussi. Alors là, ça commence très mal, ça passe pas du tout. Alors là, elle pue, elle a vraiment besoin d'une douche. Ah bah tiens. Elle va... Oh, quoi que ça ? Bah... Discuter avec Alexandra. Je regarde si... Ah bah elle est là. Notre clone. C'est rigolo, du coup, il y a deux ados... En second quartier. Vas-y, va te présenter. Du coup, ils ont exactement le même nom. Ouais, je préfère largement celle-là. Celle que je Alors, les besoins, on en est où? Très fatiguée. Se divertir et d'une douche. Écoutez, je vais la faire se déplacer, puis on va aller prendre une douche à la salle de sport. Donc, il va falloir que j'enlève 10 simflos à chaque fois qu'elle se déplace. Donc, sachant qu'avant, quand j'ai filmé, j'avais pas enlevé, je vais lui enlever 50 simflos. Voilà, on va là-bas. Donc, on va prendre une douche, je vais la faire redormir un peu, puis après, on regardera pour remonter son divertissement. Alors, une petite douche, elle n'a pas besoin d'aller aux toilettes, c'est bien. Et après, dormir.
facture. Bon bah ça on s'en fiche, de toute façon elle doit pas payer de facture pour l'instant. Les cours, ah je vais faire attention parce qu'elle est censée aller en cours normalement. Allez voilà, fais une sieste encore. Ah ça y est, elle a nouveau faim. Allez dors, je vais lui enlever du coup de l'argent. Je vais lui mettre, je vais lui enlever 1000, je vais la mettre à 1370. Voilà. Bon. Non, aller à l'école, non. Je vais aller voir ici. Il y a des tables, peut-être que quelqu'un aura à faire manger. Non, c'est pas le cas, c'est dommage. Ah, peut-être que quelqu'un... Ah, que... Pardon. Que quelqu'un va venir, ça serait bien. Bah, en attendant, je vais lui faire manger bah, c'est ça, hein, les pommes de terre. Je sais pas si ça va remonter beaucoup avec les pommes de terre. Non, ça a pas l'air de remonter beaucoup. Hein. Mais c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai, le divertissement est très très bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire regarder la télé ici. Voilà. What? Oh, Flina Bully. Oh, Sim, ça pue le cheveu. Ah mais je crois que ça devait être une... J'ai pris un Sims de la galerie, alors du coup, une personnalisée que je n'ai pas. Et elle devait avoir une seconde tenue, j'ai pas regardé, j'ai pas fait attention. Donc, c'est pas grave, je vais lui faire changer de tenue. Ouais c'est ça. Ah c'est mieux. Oh là là, la vessie descend. Bon allez, tu vas aller aux toilettes. Elle est déjà divertie, c'est déjà ça. Et on va aller voir si, si cette fois il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a fait à manger. Ah bah parfait, super. Voilà, tu vas prendre une portion, tu vas aller t'asseoir ici. Et une fois qu'elle aura mangé, elle va faire une petite sieste et on récoltera tout ce qu'il y a autour ici. Parce que justement ce quartier je l'avais pas fait et là il y a pas mal de petites choses à prendre. Encore j'hésite, oh, c'est peut-être une petite pièce pour la faire remonter dans le... Quoi? Bah, ah si ça y est, ça vient de monter. Ah non, elle est en train de remanger. Elle avait encore faim en fait. Non, elle est en train de discuter avec lui. Il faut pas. Voilà. Petite sieste. Ligine est déjà bas. Non, tu veux pas dormir? Ah, si. Bon bah tant pis pour l'hygiène. Hein. On va faire comme on a dit. Une petite sieste et... Voilà, à la limite, peut-être même deux. Pour qu'elle soit bien. Et ensuite, je vais regarder tout ce qu'il y a autour. Donc. Là. Ici, il doit y avoir des pommes, je pense. Voilà. Des fleurs. Pomme, grenouille. Allez, ah bah oui, mais c'est normal qu'elle fasse rien parce qu'elle est encore en train de dormir. Voilà. Ah super, il y a des pierres. Les pierres, c'est bien, ça rapporte. Enfin, ça rapporte. Pas à tous les coups, mais ça peut rapporter un petit peu. Là, ici,
plein de choses. Là, voilà, des pommes encore ici. Des grenouilles. Des fleurs. Ah, il est bien ce coin, j'aime bien. Il y a vraiment plein de trucs. On a encore des pierres. Elle en a pas besoin. Après, je vais l'envoyer. Ah non, elle veut plus récolter. Bon, elle est trop fatiguée. Je vais la faire manger. Par contre, c'est plus bon, mais c'est pas grave. Hein. Allez, va manger. Voilà. Elle est vraiment, mais vraiment dans le rouge, quoi. Mais bon, tant qu'elle mange déjà, là, c'est le plus important. J'ai pas envie qu'elle meure, ça serait un petit peu bête. Voilà, maintenant, elle va retourner à la salle de sport, prendre une douche, aller aux toilettes. Allez, ici. Voilà, et après, elle dormira. La compagnie d'électricité a coupé l'électricité. On s'en fiche, on n'a pas de maison, pas besoin d'électricité. Bon, d'accord, allez. Voilà, une douche. Et dormir. C'est pas évident, hein, quand même. Les besoins descendent assez vite. J'ai vraiment hâte qu'elle soit encore 9 jours avant d'être à l'âge, enfin être jeune adulte. Là, on pourra vraiment avoir tout sur place pour ses besoins. Ce sera déjà plus pratique. Mais bon, il faut de l'argent parce que ça coûte quand même assez cher. Donc, du coup, elle n'a pas pris. Elle a dû prendre une douche super rapide parce qu'elle elle est déjà dans mon coin. Prendre une douche. Fuba, Zabo. Oh, mais ça descend super vite. Ça descend vraiment, vraiment très, très vite. Les toilettes aussi. Ensuite, va manger quelque chose. C'est qui lui? Un adulte. Non, tu lui parles pas. Une fois qu'elle aura mangé, elle est déjà dans le rouge. Oh là là. J'avais pensé inviter quelqu'un pour aller pour se divertir et puis discuter un petit peu. Bon bah tant pis, hein, je vais essayer quand même. Donc ici, je vais attendre qu'elle ait fini de manger. Allez. Voilà. Bon, alors je vais voir si je peux aller avec avec notre petit clone Alexandra. On va essayer d'y aller. Comme ça, on écoutera dans la musique et puis on lui parlera en même temps. Thank you.
Elle est... Oh non! Oh non, elle est pas venue finalement. Ah bah parce qu'elle est à l'école. Voilà pourquoi. Ah, et il n'y a pas de musique, du coup c'est raté. Alors, je crois que je vais l'emmener au parc, hein. Ouais, ouais, je vais l'emmener au parc en fait. Je vais retenter le coup. Pire, elle ira jouer aux échecs. Ah bah alors là ils sont tous venus quoi, il y a tous les ados. Bon, présentation amusante. Et là autrement je connais tout le monde. Je vais voir si je peux jouer aux échecs avec quelqu'un. Comme ça on pourra discuter. Jouer ensemble. Alors je sais pas avec qui, mais je crois que je vais jouer avec lui. Ah non, je joue avec avec la deuxième Alexandra, du coup. C'est marrant. Scoop a bocano. Yaba. Kula mark nasty. Oh, là, par contre, non, mais ça va pas, en fait. Just an Ethanika. Bon, bah... va dormir. Ruhana Vitor. Dolopa. Duroy. Arrête de jouer. Oups. Voilà. Alors, pendant qu'elle dort, on va vendre tout ça. Donc on a déjà 1370. Mais ça grimpe pas vite. Hein. J'ai vraiment hâte qu'elle puisse avoir un travail. Hein. Ça c'est quoi? Je sais pas, c'est le critère. Des pommes de terre, des fleurs. Carte au trésor. Je la vends plus. Je sais pas du tout comment ça marche. Là, ouvrir. Bon, alors je pense que on va s'arrêter là pour le premier épisode. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Donc, pour l'instant, bah, il se passe pas grand chose, hein, parce que c'est pas évident. Faut essayer de faire remonter les besoins. Donc du coup, à côté de ça, elle peut pas faire beaucoup de choses. Donc voilà, quoi. Ça sera plus intéressant quand elle sera adulte. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouve pour le deuxième épisode. Allez, bye.